Chers abonnés, bonjour. J'ai une vraie dernière minute aujourd'hui avec un affolement général sur les prises de Paris ce matin, sur ma dernière minute qui est Full Flow, le numéro 10 qui sur Zeturf, depuis toute la matinée, énormément d'argent joué. Imaginez que le cheval sur Zeturf, il est tombé à 3 contre un favori de Zeturf, le 10 Full Flow. Alors sur cet opérateur, des joueurs ont engagé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur ce numéro 10 et cela me plaît parce que je vous avais fait la démonstration que le cheval est bien placé au poids. Après 2 courses, il arrive au top, l'entraîneur est confiant, tous les feux sont au vert. Voilà une belle dernière minute qui baisse de 13 à 12 contre 1. Moi, j'y crois fort et je reste persuadé que mon coup de cœur, le cheval de Madame Colombo, le 5 Sam, va faire une belle course. Il est de 24 à 21 contre 1. Donc, je vous donne 2 dernières minutes. Maintenant, on va mettre en tête de notre sélection les favoris. Le 8 Champ de Mars qui est favori à 5 contre 1. Alors, ce n'est pas un show favori. Les chevaux favoris, vous le savez, c'est à 3 ou 4 contre 1. Là, c'est que du 5 contre 1. Ça veut dire que la course reste ouverte. Deuxième favori, le 4 En Or, qui a bien gagné la dernière fois, qui doit normalement confirmer, mais il ne gagnera pas. Je vous ai dit pourquoi hier. Et puis, le 2, Max La Fripouille, la star des quintés, eh bien, baisse de 8 à 7 contre 1. Donc, cela me fait plaisir parce que c'est un cheval que j'aime bien. Et puis, on va mettre ces 2 dernières minutes, le numéro 10, Full Show, et ce numéro 5, Sam. Et je pense que ces 2 dernières minutes peuvent se coupler ou se rajouter à vos jeux de couplets. Moi, je pense que Sam, ce numéro 5 à 21 contre 1, et surtout Full Flow, cette dernière minute, le 10, ce sont deux très belles chances. Et puis, j'ai bien fait de pas mettre notre lyonnais. Le 1, Trike of the Mind, est non partant, vous savez tout.